Je cherchais un sac à dos pour randonner à la demi-journée ou à la journée, un sac adapté pour faire une grosse sortie de 30 km avec 1500 de dénivelé, mais aussi un sac adapté pour une sortie où on aime prendre son temps, comme aujourd'hui, pour faire des photos, pour profiter du paysage ou pour lire un livre autour d'un thermos de café ou de chocolat. Alors je cherchais un petit volume qui me permette d'emporter juste l'essentiel, tout en étant confortable à porter, mais je voulais un sac bien conçu quand même pour éviter d'avoir le thermos ou le trépied qui me rentre dans le dos. Avec mes critères, j'ai choisi ce sac, j'en suis super content et je vous explique pourquoi. C'est un sac de 20 litres de la marque Kelas, une marque peu connue en France mais réputée ailleurs. Kelas propose du matériel de trail, de rando, mais aussi d'alpinisme et d'escalade avec du matériel de grimpe qui répond d'ailleurs à la certification UIAA, l'Union Internationale des Associations d'Alpinisme. Kelas est partenaire d'événements majeurs dans le monde du trail comme le Grand Trail Courmayeur ou la prestigieuse course Thor X avec notamment une épreuve de trail de 450 km dans la vallée d'Aoste. Donc Kelas ne sort pas de nulle part et a une bonne réputation. C'est pour ça que j'ai accepté ce partenariat pour vous faire connaître du nouveau matériel. Alors aujourd'hui, je vous présente le sac que j'ai choisi parmi tout leur catalogue. C'est un sac de 20 litres. On va commencer les présentations par ce qu'on voit à l'extérieur. Donc sur les côtés, on a des poches très pratiques pour mettre ces flasques. Donc c'est du tissu élastique. On en a une ici. Et puis avec le même tissu élastique ici, on a une poche frontale qui nous permet par exemple de mettre un coupe-vent, un petit vêtement de pluie si le temps est incertain. Comme ça, c'est accessible très facilement sans ouvrir le sac. On trouve ici un système qui nous permet d'attacher ses bâtons ou un piolet léger par exemple. Donc ici et puis là, on a l'élastique de la même manière de l'autre côté. Ça permet de mettre ses deux bâtons si on a un passage qui nécessite d'avoir les mains libres par exemple. Alors on continue au niveau des poches. On en a une ici qui est pratique parce qu'elle permet de mettre un petit encas quand on a faim. D'ailleurs, je vais pas tarder à le manger celui-là. Le tissu est du nylon 420 deniers, donc c'est du tissu très costaud, très épais. Ça peut frotter contre les rochers, ça va pas s'abîmer, donc ça c'est pratique. On passe ensuite à l'arrière du sac, car ça c'est intéressant. J'ai choisi un sac avec un filet tendu et une armature. Armature 3D, très très agréable parce que ça permet, quand on met par exemple, je vais vous montrer juste après, quand on met son trépied ou quand on met son thermos, quand on a un sac léger, eh bien on peut le sentir en fait contre le dos quand on marche, ça c'est pas très agréable. Donc avec cette armature, avec ce filet, ça décale un petit peu le sac du dos et on ne sent pas du tout ce qui est dedans, donc très pratique avec son thermos ou son trépied. Alors passons à l'intérieur, fermeture zippée. Donc à l'intérieur, mon thermos, il a fait du bien parce qu'on a beau être mi-septembre, il fait encore bien chaud. Un petit coupe-vent, une doudoune, un trépied, mais pour l'instant, je m'en sers pour me filmer. À l'intérieur, on a une poche avec une petite cordelette et une petite attache qui permet de mettre ses clés. Comme ça, on peut les ranger et ne pas perdre ses clés. Idem, on a une petite poche ici qui permet, bah, par exemple, de mettre son portefeuille. Très pratique. Contre le dos, on a un emplacement pour mettre, si vous avez un réservoir avec une pipette, vous pouvez mettre votre réservoir à eau ici, il sera contre le dos. Et puis bien sûr, il y a un emplacement là pour faire ressortir la pipette. Et puis un élastique ici sur la bretelle pour pouvoir mettre sa pipette et puis boire comme ça pendant qu'on marche. Les bretelles sont en mousse épaisse, c'est très agréable le côté qu'on a contre le corps. On a bien sûr une sangle pectorale réglable, donc ça c'est pratique selon votre morphologie, on peut la déplacer. Et ensuite le compartiment principal à l'intérieur qui fait 20 litres. Donc voilà, sac d'une contenance de 20 litres à l'intérieur. Et puis vous rajoutez le volume qu'il y a avec les poches en tissu élastique là sur le côté et la poche frontale. Donc on a un bon sac de 20 litres. Et puis c'est enfin un sac plutôt polyvalent. Moi j'aime bien son style. Ça passe très bien pour des randos à la journée, pour une rando avec bivouac en été. Puis ça passe aussi très bien hein, si vous avez besoin d'aller en ville. Et pourquoi pas en voyage comme ça, en petit sac à la journée quand on visite un pays. Et bah c'est très pratique. Au niveau du poids, c'est un sac qui pèse exactement 700 grammes. Au niveau des dimensions, il mesure 45 cm de haut environ, à peu près 25 cm de large. Et puis quand il est bien chargé, il peut aller jusqu'à une vingtaine de centimètres dans ce sens-là. Donc voilà, comme ça, ça vous donne une idée des dimensions.
Au niveau du confort, les bretelles sont vraiment rembourrées, le dos en filet très agréable pour ne pas sentir ce qu'il y a à l'intérieur. Ici c'est une simple sangle, mais on a quand même du rembourrage là de chaque côté, donc ça épouse bien le dos. Vraiment le confort est génial. On peut même trottiner un petit peu dans les descentes avec parce qu'il tient bien près du corps, donc ça j'apprécie beaucoup. Comme je vous disais en début de vidéo, je ne connaissais pas du tout la marque Kailas. Eh bien je suis très agréablement surpris par la qualité de fabrication, les matériaux, les finitions. C'est vraiment du tout bon. On est vraiment sur une qualité, sur un sac que moi je qualifierais de haut de gamme. Allez, on va ranger un peu le sac. La flasque, on va la mettre à l'extérieur. Et puis je vais quand même profiter de cette vue qu'il y a derrière moi. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez de cette vue dans les commentaires. Dites-moi également ce que vous pensez de ce sac, ce que vous pensez de cette marque. Est-ce que vous connaissiez ? Quel est votre avis sur la question ? J'attends toutes vos réactions juste en dessous dans les commentaires. J'espère que la découverte de ce nouveau produit vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.